Bonjour, mon nom est Yves Gingras, je suis professeur d'histoire et de sociologie des sciences à l'UQAM et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Mon travail porte donc sur l'analyse de la rhétorique scientifique, les politiques scientifiques et les rôles des gouvernements dans les investissements et de façon plus générale, les débats et les controverses scientifiques. On parle beaucoup de l'IA, qu'on appelle intelligence artificielle. À mon avis, c'est un terme très mal choisi parce qu'au fond, ce qu'on a, si on veut garder le mot IA, à mon avis, il faut appeler ça de l'intelligence apparente. Ça semble intelligent, mais aussitôt qu'on gratte, on voit bien qu'il n'y a aucune intelligence dans ça. Donc, qu'est-ce que l'IA en pratique? C'est de l'algorithmique. Ce qu'on appelle soi-disant intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui font des opérations et des choses. Les transformations récentes qui font que la visibilité de l'IA est devenue très forte au cours des 5-6 dernières années, c'est qu'effectivement, les recherches au cours des 10 dernières années dans un des sous-ensembles de l'IA qui porte sur l'apprentissage font que grâce à un ensemble de données, les algorithmes peuvent apprendre à partir des données et donc induire et prédire les données qui vont venir à la suite. Mais ce sont des algorithmes et il n'y a absolument rien d'intelligent dans ça. Donc, c'est un faux nom. Et l'autre nom qu'on utilise pour parler des algorithmes d'apprentissage multicouche, on parle d'apprentissage profond. Là, encore une fois, on donne une fausse idée d'une profondeur à l'intelligence. Donc, ce sont des métaphores qui font mal comprendre ce qu'on fait réellement lorsque des informaticiens créent des algorithmes qui font des choses très intéressantes. Il est très utile de savoir, quand on écoute une émission de télé, que si on a émis telle émission X, on va émis telle émission Y. Ce sont des algorithmes qui voient bien la récurrence de nos domaines et trouvent des variables, ça peut être des milliers de variables, qui permettent de prédire. Donc, les algorithmes permettent de prédire, c'est très utile, mais il n'y a rien d'intelligent dans ça. Donc, en somme, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement que l'apprentissage automatique. C'est un ensemble d'algorithmes qui ne relèvent pas de l'apprentissage automatique, mais qui font plein de choses et qui sont donc des algorithmes. Donc moi, je pense qu'il faut toujours qu'on parle uniquement d'algorithmes, et je n'utilise pas le mot intelligence artificielle. Une des raisons, c'est quand on pense à l'intelligence artificielle, nécessairement, on pense à la comparer à l'intelligence naturelle. Or, c'est un faux débat, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi l'intelligence, et quand on dit qu'un ordinateur a gagné au Go ou aux échecs, ce n'est pas une preuve d'intelligence. C'est une preuve que les échecs ont des règles dont l'espace de combinatoire, qui est à peu près infini, ne peut être calculé de façon efficace que par un ordinateur et pas par un être humain. Donc, un ordinateur gagne, ce n'est pas une surprise. Mais un pigeon est déjà beaucoup plus intelligent que n'importe quel ordinateur, parce que dans une situation nouvelle, il va trouver son chemin, alors que tous les algorithmes sont construits autour d'un certain type de tâche, et si on s'en éloigne, elles ne peuvent rien faire. Donc, c'est encore l'humain qui programme et non pas autre chose, même si on peut aussi faire des programmes qui programment. Encore une fois, il faut ramener ça à la réalité. Les algorithmes, c'est des séries de commandes qui sont codées dans un ordinateur et qui permettent de faire des tâches. Donc, à quoi ça va servir? Ça ne servira pas à faire la révolution, mais ça va servir à faire des tâches qui sont compliquées à faire pour rien pour un humain, qui sont répétitives ou qui nous permettent de prédire ce qui va arriver ou ce qui est probable. Par contre, à chaque fois, il faut que l'intelligence humaine, qui est la seule véritable intelligence, puisse regarder la prédiction faite par un algorithme et se demander si c'est plausible ou non. Il ne faut pas laisser à l'algorithme prendre la décision, parce que même avec toute l'excitation qui a entouré les avancées réelles de l'apprentissage automatique, il y a une stabilisation et le taux de réussite ne dépasse pas toujours 80%. Donc, est-ce qu'on va prendre un risque qu'avec 20% d'erreur? La réponse est non. Donc, il faut voir l'algorithme comme une aide à la décision et non pas comme une soi-disant intelligence supérieure qui va prendre des décisions à notre place. Laissons ça aux films de science-fiction.